Ça s'appelle La fille du prince. Sur un yacht en pleine mer rouge, plein de gens joyeux se rincent de soleil et de vin rouge, pendant que la fille du prince, couverte de diamants, dessinée comme un oiseau, tire la gueule constamment à l'autre bout du bateau. Je déguste du regard des méduses fluorescentes, et comme un enfant hagard, en photo j'en prends 50. Pendant que la fille du prince, toujours aussi triste et belle, tourne ses pages avec des pinces, méprisant tout autour d'elle. J'aurais bien violé sur place ce tas de gâchis de gonzesse, mais le protocole à sa place a calmé mes envies de fesses. Pourtant, je suis sûr que cette pétasse aurait apprécié pour une fois mes manières un peu plus salaces que ces coincés du patois. J'avoue que j'ai bien certains soirs pensé à elle sous la couette, agité comme tout un dortoir de mecs entre 15 et 17. Et elle m'a donné bien du plaisir, même si elle n'en a toujours pas. Ne tient qu'à chacun de sourire, de vivre ou de ne vivre pas. Voilà.